Bonjour à tous les amis, soyez la bienvenue sur Super Héros et Compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo du jour, je vais vous présenter un jeu de société en édition spéciale. Voici le Monopoly version France qui a l'avantage d'avoir des pions en métal, qui peut se jouer à partir de 8 ans et vous allez voir qu'il est même déjà possible de jouer un petit peu avant. Allez hop, j'ouvre la boîte et voyons ensemble ce qui change dans cette version France. Pour commencer, on a naturellement les règles du jeu. L'élément essentiel du Monopoly, les billets de banque. On a des billets de 1, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 et les plus gros de 500. Nous avons toujours les maisons en vert et les hôtels en rouge, ainsi que les cartes de propriété. Et dans cette édition, contrairement à la version classique où on se baladait dans Paris pour tenter d'acheter les rues parisiennes, ici on fait le tour de la France et tiens regardez, il y a même Fort Boyard. Il s'agira donc d'acheter les villes et les monuments les plus célèbres de France. Le monument le plus cher de cette édition est la Tour Eiffel. Nous avons naturellement également des gares et petite nouveauté s'ajoutent la gare de Strasbourg et la gare de Metz. Les cartes chance et les cartes caisse de communauté sont toujours présentes. Elles permettent aux joueurs qui les tirent de gagner de l'argent, mais également des fois d'en perdre. Ouvrons maintenant le plateau du jeu pour découvrir à quoi ressemble cette nouvelle édition France. Déjà, il est super bien décoré, et comme je le disais tout à l'heure, fini les rues de Paris, maintenant on fait le tour des régions de France. Nous avons par exemple Carcassonne, Lille, la gare de Strasbourg, l'aiguille du Midi, le château de Versailles, la case de prison elle est toujours présente. On a également les Tom-Tom avec la Réunion et la Guadeloupe. Tiens, et voici le fameux Fort Boyard, on a vu la carte tout à l'heure. Jetons maintenant un œil aux pions. Ils sont en métal et chacun représente un petit peu la France. Il y a le coq, le vélo, le bustier de couturier, la tour Eiffel, les croissants et naturellement le fromage. Quant au but du jeu, je n'en ai pas encore parlé mais vous connaissez peut-être déjà le Monopoly, il s'agit simplement de faire des tours de plateau, donc ici de faire donc le tour de la France et d'acheter le plus de villes, de monuments ou de propriétés possible. Et de préférence d'en prendre d'un même groupe de couleurs comme ici les trois verts. Et quand un autre joueur arrive sur une des propriétés que vous avez achetées, comme ici le Mont-Saint-Michel, il devra vous payer un loyer. Ce loyer va augmenter et sera de plus en plus important si on décide de construire des maisons sur ces terrains. Mais attention, ça ne sera possible que si on a acquis l'ensemble d'un même groupe de couleurs, comme ici la Tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel. Une fois que c'est fait, c'est bon, on peut construire les maisons. On pourra en mettre jusqu'à 4 sur la même case. Et attention, dès qu'on a 4 maisons, on va pouvoir les échanger contre un hôtel. Et là, les joueurs qui tombent dessus vont payer le maximum. Et pour mieux comprendre le Monopoly, rien ne vaut une bonne démonstration. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et voilà, ça y est, je suis là avec mon assistante. On est prêt à démarrer. Les billets ont été distribués et on a choisi les pions. Je vais m'occuper de la banque, c'est moi qui vais me charger de la distribution des billets ainsi que des cartes de propriété et des maisons. Et pour les pions, j'ai choisi le coq et mon assistante, la tour Eiffel. Alors, comment s'appelle mon assistante du jour? Je m'appelle Elisa. Ok Elisa, t'es prête à commencer le Monopoly France? Oui. Ok, ben dans ce cas-là, on est parti et c'est toi qui vas lancer les dés la première. Alors... 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carte chance. Donc tu tires une carte chance. Avancez jusqu'à la gare la plus proche. Si elle n'appartient à personne, vous pouvez l'acheter à la banque. Si elle appartient à un joueur, payez au propriétaire le double du loyer auquel il a droit. Alors, on va voir de suite. On va avancer jusqu'à la gare la plus proche. Donc, la gare la plus proche... C'est ici, la gare de l'Est à Paris. Elle coûte 200. Est-ce que tu veux l'acheter? Bien sûr! Alors, il me faut 200. Pour obtenir 200, il faut 2 fois 100. Deux billets de 100.
tenez la banque. Merci beaucoup. Et hop. Et voici la carte de propriété de la gare de l'Est. À chaque fois qu'un joueur va tomber maintenant dessus, vu qu'elle appartient à Elisa, on devra lui payer 25. Ou alors 50 si elle a deux gares, et jusqu'à 200 si elle a toutes les quatre gares. Tiens, c'est à toi. Merci. Alors maintenant, c'est à moi de jouer. 4. Alors, voyons jusqu'où mon coq va nous mener. 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 décidément, ça commence mal pour moi. Impôt sur le revenu, je dois payer 200 à la banque. Alors, il y a plusieurs possibilités de faire 200, mais pour le moment, je vais prendre 2 billets de 100. Et c'est aussi ça qui est très très bien avec le Monopoly pour les jeunes enfants. On peut même commencer avant 8 ans. C'est qu'on apprend non seulement des régions en faisant le tour de France, on apprend également à se servir de l'argent, à calculer et à rendre la monnaie, et ça c'est vraiment très cool. Et si vous êtes un fan de l'univers du gaming et de Nintendo, je rappelle qu'il y a également le Monopoly Edition Gamer qui est disponible avec tous les personnages de vos préférés du monde de Mario. Donkey Kong, Yoshi, la princesse Peach et Mario. Allez, Elisa, à ton tour à nouveau. On lance les dés. Ok. Donc, 5. Enfin, 5 et 4, ça fait 9. Donc, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on est sur le groupe de propriété rouge, l'île de la Guadeloupe à 240. Tu achètes ? Oui. Ok, très très bien, parce que le but d'un Monopoly, c'est d'acheter le plus possible pour après gagner le plus d'argent. Alors, ce qu'on va faire, tu vas me donner 2 billets de 100, un billet de 50, et la banque va te rendre un billet de 10. Ça, ce n'est pas bonheur. Donc là, on a 250. Je te rends 10 immédiatement. Et voilà, madame, 10 et la carte de la Guadeloupe. Ok, à mon tour maintenant. Alors, j'ai fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La compagnie de distribution d'électricité. Et j'achète 150. Si c'est 5, ça fait 11. Ça fait 11. Alors, 11, 11, 15, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La gare de Metz, 200. Oui. Tu achètes ? Oui. Très bonne décision parce que tu as déjà une gare, donc tu vas avoir deux gares. Ça veut dire que si je tombe sur une de tes gares, bim, je paye plus encore. Le problème, c'est que je n'ai plus de 100. Et ça coûte 200. Alors, à ton avis, on va faire comment ? Aucune idée. Ouais, tu vas me donner un billet de 500. Mais comme la gare ne coûte que 200, je vais te rendre de l'argent. Et combien, à ton avis ? 100 ? Non. 100 ? Non. 1 ? Non. 5 ? Non. 3 billets de 100 ! 300 ! Exactement. 300 euros. Tenez, mademoiselle. Merci. Ok, on y va. Alors, 1, 2 et 3. La gare de l'Est. Tu es tombé chez moi. Et là, comme Elisa est propriétaire de la gare, on va devoir lui payer un peu de sous. Comme elle a déjà deux gares, je vais devoir lui payer 50. Ok, donc 50, un billet de 50. Hop et là, on vous fout dans la popoche. Et c'est à ton tour. Eh oui. 1 plus 1 égale 2. Et là, stop. Là, tu as fait un double. Et quand on a fait un double, on a le droit de rejouer. Oui. Mais attention, si on fait 3 doubles à la suite, qu'est-ce qui se passe ? On tombe en prison. On va en prison, exactement. Oh non ! Encore un double. Attention. Allez, 4. J'achète 60. Alors attends, déjà...
tu as passé la case départ. Donc à chaque fois qu'on passe la case départ, on a droit à recevoir 200, pardon. Et là, tu te trouves dans la ville de Carcassonne. Elle coûte 60. Est-ce que tu achètes ? Bien sûr, j'ai déjà préparé mes billets. Alors, vérifions. 50 et 10, ça fait bien 60. Allez, c'est parti. Et maintenant, attention, le troisième coup. Et il ne faut surtout pas faire de double. Oh non ! Oh non ! 2 fois 3. Allez, directement en prison. Hop là. Et ce n'est pas une visite. Et ce n'est pas une visite. Allez, il est temps pour moi de gagner un peu de propriété, j'en ai pas beaucoup. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je tombe à nouveau chez Elisa, puisqu'elle a acheté tout à l'heure la Guadeloupe. Et je vais devoir lui payer 20. Décidément, t'as beaucoup de chance quand même. T'es plus riche que moi. Alors, on continue notre partie tranquillement et on le fait en accéléré pour gagner un peu de temps. Alors, on vient déjà de faire quelques tours de jeu. Elisa s'est très très enrichie. Elle a énormément de propriétés. Elle a tout le groupe des rouges, toutes les gares et encore quelques propriétés, toutes les marrons. Et ça lui a permis de construire des maisons en Guadeloupe et en Corse et même un hôtel à La Réunion. Attention, si on tombe sur La Réunion, ça va être le jackpot pour elle. Moi, je suis beaucoup moins riche. J'ai simplement le groupe des terrains verts et des terrains violets. Et un seul hôtel à Notre-Dame de Fourvière. Alors, 4. 1, 2, 3. Oh non, 4, La Réunion. La case où l'hôtel est dessus. Alors, voyons voir combien on va devoir lui payer. Alors, avec un hôtel, 1050. Waouh. Aïe, 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 aïe. Un billet de 500. Un autre billet de 500. Et un autre billet de 50. Tiens. Bon, je sens que Elisa, t'es bien partie pour gagner sur cette partie de Monopoly France. Nous, on va continuer à faire encore quelques petits tours, jusqu'à ce que je n'ai plus de sous. J'espère que cette présentation de Monopoly France vous a plu. Un super jeu pour faire le tour de la France, apprendre les régions et apprendre à compter de l'argent. Je vous remonte la boîte du Monopoly, l'édition spéciale avec des pions en acier. Édition France 2018. N'oubliez pas non plus que si vous êtes un fan de gamer et de l'univers Nintendo, nous avons le Monopoly Gamer qui est également très très cool. J'espère que la vidéo vous a plu. À très très bientôt Elisa. On se retrouve très vite naturellement pour de nouvelles aventures ou ça. Sur Super Héros et Compagnie. Super Héros et Compagnie bien sûr. Allez, à bientôt les copains. Soyez sages. Bye bye. Bye bye.